الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما تلاحظون هناك تمرين حول الحساب المثلثي لا تريغونومتري. Je lis l'exercice. Soit x est un nombre réel tel que cosinus x plus sinus x égale 5 sixièmes. Calculez sinus x fois cosinus x. Deuxièmement, calculez 1 sur sinus x plus 1 sur cosinus x. Troisièmement, calculez tangente x plus 1 sur tangente x. Quatrièmement, calculez sinus au cube x plus cosinus au cube x. Donc, on commence par la première question. On calcule sinus x, cosinus x. Alors, on a cosinus x plus sinus x égale 5 sixièmes. Premièrement, calculons x fois sinus x, cosinus x. Sinus x fois cosinus x. Bon, alors pour calculer sinus x et cosinus x, nous on a la somme cosinus x plus sinus x égale 5 sixièmes. Donc pour déterminer sinus x, cosinus x, il faut élever cosinus x plus sinus x au carré, la même chose 5 sur 6 au carré. Alors cosinus x plus sinus x égale 5 sixièmes signifie cosinus x plus sinus x au carré égale 5 sixièmes au carré. Là, nous avons une identité remarquable de la forme a plus b au carré. Et a plus b au carré, c'est a au carré plus 2ab plus b au carré. Donc, on va appliquer ça. C'est cosinus carré x plus 2 cosinus x sinus x. Voilà, on m'a fait apparaître cosinus x sinus x plus sinus carré x égale à 25 sur 36, le carré de 5. 5 au carré c'est 25, 6 au carré c'est 36. Alors, cosinus x, cosinus carré x plus sinus carré x c'est 1, plus 2 cosinus x sinus x égale 25 sur 36, d'où 2 cosinus x sinus x égale à 25 sur 36 moins 1. Là, c'est 2 cosinus x sinus x. Je calcule 25 sur 36 moins 1 égale, je réduis au même dénominateur, c'est 36. 25 moins 36 égale moins 11 sur 36. C'est ça. 6 moins 5, c'est 1. Voilà, c'est. Maintenant, cosinus x, sinus x, je divise moins 11 sur 36 par 2, parce qu'on a ici 2 cosinus x, sinus x. Donc si je divise par 2, j'obtiens moins 11 sur 2 fois 36, c'est 72. Donc voilà pour cosinus x, sinus x, c'est moins 11 sur 72. Donc, je garde le résultat parce que j'en aurai besoin. Alors, cosinus x égale moins 11 sur 72. Bon, deuxième question. Calculer 1 sur sinus x plus 1 sur cosinus x. Alors, deuxièmement, calculons 1 sur sinus x plus 1 sur cosinus x. Alors 1 sur sinus x plus 1 sur cosinus x égale, je réduis au même dénominateur, dénominateur commun c'est sinus x fois cosinus x. Je multiplie cosinus x par 1, c'est cosinus x, plus je multiplie 1 par sinus x, c'est sinus x. Égal, cosinus x plus sinus x, d'après l'hypothèse, c'est 5 sixièmes,
sur sinus x, cosinus x qu'on vient de calculer dans la première question. 1 sur 72 égale 5 sixièmes multiplié par moins 72 sur 11. Je simplifie 72 par 6. Alors 72 divisé par 6, 1, il reste 1, 12, 2. C'est 2 fois 6. 1, 2 fois... Combien? Là, je simplifie, il me reste 12. Donc, je simplifie 72, il me reste 12. Donc, est égal à 5 fois moins 12 sur 11. Est égal à moins 60 sur 11. Donc, voilà pour 1 sur sinus x plus 1 sur cosinus x. Troisième question. Alors, je garde les résultats, peut-être on aura besoin. Faut toujours garder les résultats sur un bout de brouillon pour s'en servir plus tard. Alors, sinus x, 1 sur sinus x, bon, j'ai déjà oublié. Troisième question, calculons tangente x plus 1 sur tangente x. Alors, tangente x plus 1 sur tangente x égale, tangente c'est sinus sur cosinus, sinus x sur cosinus x plus l'inverse c'est cosinus x sur sinus x. L'inverse de la tangente c'est sinus cosinus x sur sinus x. Égal, je réduis en même dénominateur cosinus x fois sinus x. Je multiplie sinus x par sinus x et sinus carré x. Plus, je multiplie cosinus par cosinus et cosinus carré x. Égal, sinus carré x plus cosinus carré de x, c'est 1. Et là, c'est moins 11 sur 72. Alors, égal à moins 72 sur 11. Je multiplie par l'inverse. Donc, je multiplie 1 par l'inverse de moins 1 sur, moins 11 sur 72. Ça devient moins 72 sur 11. La dernière question, sinus. Calculons maintenant. Quatrièmement, calculons cosinus cube, sinus cube, sinus au cube x plus cosinus au cube x. Alors, sinus au cube x plus cosinus au cube x égale, j'applique a plus a au cube plus b au cube. À quoi est égal? Est égal à a plus b, facteur de, c'est une identité remarquable, de a carré moins ab plus b au carré. Voilà. Donc voilà pour cette identité remarquable. A, c'est sinus x, donc est égal à sinus x plus cosinus x, facteur de sinus carré x. Sinus carré x moins sinus x cosinus x plus cosinus carré x égale sinus x plus cosinus x est donné, c'est 5 sixièmes. C'est 5 sixièmes. Facteur de sinus x plus cosinus carré x, sinus carré x plus cosinus carré x, c'est 1 moins sinus x fois cosinus x est moins moins 11 sur 12, 72 égale à 5 sixièmes facteur de 1 plus 11 sur 72. Moins par moins, ça donne plus. Égale 5 sixièmes. Je réduis au même dénominateur ici, c'est 72. Je multiplie 72 par 1, c'est 72 plus 11. Égale à 5 sixièmes fois 72 plus 11, c'est 83. 1 plus 2, c'est 3. 7 plus 1, c'est 8 sur 72. Égal.
Alors, je multiplie 5, il y a rien à simplifier. Donc, c'est 5 fois 83, 5 fois 3, 15, 5 fois 8, 41, 41. Sur 6 fois 72, 6 fois 2, 12, je retiens 1, 6 fois 7, 42, 43 sur 432, 415 sur 432. Donc voilà pour cette séance. Merci de votre attention. C'est un exercice intéressant. Recopiez-le et essayez de le refaire pour votre bien. Merci. N'oubliez pas de liker et de s'abonner si vous êtes nouveau en appuyant sur la cloche. Et si vous êtes ancien, n'appuyez pas sur la cloche. À bientôt.